La zone Caracol, la zone parc industriel, là, il y a un contrat qui est signé entre l'État haïtien avec une firme NRECA pour alimenter le parc industriel Caracol. Là. Il y a un salon central de 10 MW dans la zone. Là, il y a un salon central de 10 MW, là, donc, en espérant que la charge a évolué et la charge y atteigne moins que 1 MW. C'est-à-dire que dans la zone parc industriel, là. Donc 10 MW installés, 1 MW délivrés. C'est certain que les compagnies ont gagné surproduction, avec que gain en pile mégawatt, on que le besoin vendre. À ce fait, il a approché EDH, moi paraît disons en septembre, même septembre, il a approché pour dire comme ça que voilà, il y a gagné des capacités de production dans la zone là. Est-ce que EDH pas intéressé quand même pour avec eux et nous discuter de ça. Gain possibilité pour nous faire, gain possibilité pour nous faire. Donc, moi, je dis qu'il n'y a pas de problème et on a commencé à regarder l'aspect distribution avec l'aspect commercial. Là. Donc, on regarde l'aspect distribution, réseau de distribution dans la zone, excusez-moi. Réseau de distribution dans la zone, il n'est pas en tellement bon état. Donc, c'est eux qui ont fait réparation, réseau et tout. Et puis, c'est eux qui vont aller faire nous payer. Donc, alors là, la discussion a commencé à virer rond parce que eux-mêmes étaient intéressés à produits seulement. Donc, et en fin de compte, je retourne sur la table pour dire que, bon, ok, on a des possibilités pour être capable d'alimenter tout le monde. Et là, ça, nous faisons une délégation, nous allons avec eux, ils commencent à faire un recensement avec les clients. À faire un recensement, puis regarder ça, gain, puis eux-mêmes, puis voir combien de charges ils vont joindre. Alors, c'est là qu'on y est là, tout du pays pour commencer l'humain. Là, ils ont fait un recensement dans la zone, tout du nord, ils commencent à faire un recensement. Les gens dans la localité ont demandé pour qui ça recensement. Ils ont dit parce que eux-mêmes, ils ont pris le bail des gens dans la zone avec courant 24 sur 24. Automatiquement, ils ont dit ça, les gens, eux-mêmes, attendent. Parce que voilà qu'ils ont gagné 6 heures de temps courant par jour. Et le directeur pour savoir expliquer pour qui ça a gagné 6 heures de temps par jour. Quand il y a là, mais un film étranger dit qu'il a bail courant 24 sur 24. Et ils ont fait recensement. Vous regardez combien de charges que vous pouvez joindre. Et puis, vous êtes capable de dire que vous êtes presque prêt pour alimenter. Mais par aspect commercial, là, nous ne pouvons pas rentrer là-dedans. Non, moi-même, soit prêt, nous avons un seul package. On ne prend ni production, ni distribution, ni commercialisation. La situation a été là, elle évolue parce que la guimba est pour signer entre l'État haïtien et firme étrangère. Et bagarre a duré parce que nous avons les mêmes qui fait sous lui. Entre-temps, la population a commencé à être impatient. La population a dit que c'est EDH qui parle de balcon. EDH qui parle de signer avec le film. Alors, disons, pour l'histoire, moi je viens avec papier, document, EDH, là, tout signé. Avec le ministre de la République, là, tout signé. Tout. Pour le monde dans la zone, on a mis la liberté pour nous connaître que ce n'est pas EDH qui parle. Le film, là, on a un problème par lui, parce que faut le faire commercial là tout. Ce n'est pas seulement venir vendre un coup, envoyer une facture pour moi, il faut faire collecte là tout. Donc, mais ça, toute discussion. Et puis, situation arrêtée, liée envenimée, liée enflammée dans le nord. Alors, pour qui ça fait que je parle de l'aspect commercial là? Je vais prendre le directeur pour l'instant parler de comment l'aspect commercial là est en zone là, et puis laisser ça comprendre pour qui ça que lui-même il fait back. Moi-même, je ne fais back. Situation rapide là, moi, deux que je viens avec lui-même déjà, c'est ça que j'ai besoin, que nous signions avec eux. Mais lui-même, même c'est lui qui pas venir signer. C'est eux qui ne viennent pas signer parce que quand il y a aspect commercial là, comment ça va caler. Ça veut dire que nous-mêmes, EDH, si c'est pour nous-mêmes, ils mettent qu'accorder. Ça veut dire que l'autorisation de l'accordement, ils mettent faire, mais quand il y a là, c'est aspect commercial là pour eux discuter. Parce que comme on dit, nous ne pas prendre situation de production pour contre nous, et puis ils même aspect distribution, aspect commercial là, et pour ça, nous devons passer là à l'Empordo-Prince là pour nous payer. Producteur privé, qu'on y a pour nous, un producteur en province, directeur province, on va expliquer combien de recettes liées. On a dépensé 3,7 millions de gouttes par mois pour m'acheter gaz, pour m'alimenter zone. Recette là, bon, 900 000 gouttes par mois. Donc ça veut dire que l'on privé dit la prendre, mon chef capable de son fardeau retiré sous dôme. Donc nous n'avons aucun intérêt, nous n'avons aucun intérêt pour nous d'un bill. Mais alors, m'a dit nous ça, c'est presque une blague liée. Et c'est à l'heure, m'a dit monsieur ça la machine là. Et deux grands monde qui chita qui parle ensemble qui dit et gagne qui l'autre là l'aime depuis petit monde un petit genre blackout elle et depuis fait noir un peu et puis l'autre grand monde dit ah mon cher moi même qu'on y a l'aime lumière un peu l'aime facturer courant. On s'en comprend anecdote là.
Donc voilà, donc ça veut dire que le monde t'a gagné 6 heures dans courant pas de payer, là il gagne 24 heures pour commencer à réfléchir comment on va faire pour le payer. Fait. Effectivement ça qu'a fait n'a dit moun yo tout que c'est un dossier qui est en cours, mais normalement j'en te qu'on alimenté longtemps à raison de 6 heures de temps par jour en fonction de ça que nous gagne dans zone là. Nous capable continuer à alimenter au même genre 6 heures de temps par jour en attendant que contrat ça signe, disons que nous même nous signons déjà que film n'a beaucoup signé, en attendant que le signe puis alimenter 24 sur 24. Voilà, ça veut dire que c'est ça seulement nous capable dit là. Ça veut dire que nous-mêmes nous parions déjà pour ça. Nous parions pour ça. Donc, mais problème que nous avons là, dit que pour vous expliquer, c'est que moi voyez gaz pour alimenter Central Chevrier, gaz là bloqué au cap. Parce que nous avons une manifestation, il va quitter gaz là. Ça veut dire que qu'on y a, il y a un blackout. C'est eux qui empêchent le camion gaz d'arriver. Donc c'est ça capable d'où qu'on y a une situation que nous-mêmes n'a fait. Avec du que si on quitte camion gaz à passer, n'a alimenté. Mais n'a pas alimenté, jeune qu'on alimenté puis alimenter 24 sur 24, faut film dans descendre une signe papier parce que c'est pas comme ça pour on dit que on peut alimenter sans pas signer avec l'État haïtien. Mais par contre son chebe vous nous constater, nous avons 7 capable voisiner 900 000 gouttes. Pendant que chaque mois, on a dépensé 3.7 millions de gouttes seulement pour carburant. Alors que il y a autre coût, exploitation, fonctionnement et autres qui prendraient là-dedans, alors que c'est pour montrer une situation vraiment qui est extrêmement difficile. Par exemple, au niveau du recouvrement, là encore, tout du Nord est capable de constater que depuis octobre, depuis que Henri est rentré dans le jeu là, tout du Nord, pas grand poids EDH qui est rentré tout du Nord pour la faire recouvrement. Parce que la population fait connaître que les besoins de courant 24 sur 24, alors que Mounio n'a pas voulu payer courant. C'est là le problème, non? Et c'est là que a commencé. Là encore, nous-mêmes, nous sommes capables de dire que EDH, nous avons 20 000 gallons de gaz qui sont bloqués au Cap depuis 4 jours qui ne sont pas rentrés et Fort Liberté, dans la centrale de Chevrier, suite à un problème qui est gagné. Et nous-mêmes, du côté de nous, nous prêts pour avancer avec les projets. Mais par contre, la population est consciente que ce n'est pas nous-mêmes qui empêchons que nous ayons courant 24 sur 24. Parce que nous faisons valoir de ce EDH qui n'est pas d'accord sur un contrat, alors que mais un contrat nous signé, nous prêts pour que pour passation en fait. Et passation, ce n'est pas passation production, tout du Nord seulement, c'est passation département Nord-Est. Parce que, on va alimenter tout du Nord. Qu'on y est là, 24 sur 24, on va mettre des fois liberté, nous sûr, à partir de ce de rencontre que nous gagnons déjà dans la zone avec tout le secteur, surtout le secteur des affaires là, c'est que même fait valoir de, si que tout du Nord gagne le 24 sur 24, il faut que on mette le 24 sur 24, il faut liberté gagne le 24 sur 24. Et d'autres et sections communales. Et là, c'est une raison qui fait que là, Enrica, les grands gens lui-même, que n'est pas très confortable parce qu'il pensait que peut-être que c'est tout du Nord seulement que pour le gagner. Alors nous-mêmes, nous te fait valoir, c'est tout département parce que son réseau interconnecté qui est environ 100 km, ou pas capable de couponner lui pour dire que on prend partie et l'autre partie à lui-même ou quitter dans 6 heures d'alimentation. Alors que c'est là que tout problème est. C'est que ces procédures, ces difficultés qui gagnent la démarche, qui m'a des temps de réflexion, et c'est un bagage qui fait que film dans lui-même, c'est un bagage que la rentrée, que le pas habitué à entrer là-dedans, qui fait que nous-mêmes, nous mettons le garde-fou, parce que nous-mêmes, nous c'est l'État, forcément, nous capturons les biens de l'État, nous pas capables de passer par la tête basse, sans combattre nous la gueule bon secteur privé, international, sans que la procédure pas en place. C'est là que nous capturons un petit retard au niveau film.